L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu, chaque jour. Un pays merveilleux le 16 décembre. S'il y avait eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Hébreux 11, versets 15 et 16. La crainte de trop matérialiser l'héritage éternel a poussé plusieurs personnes à spiritualiser, à rendre inconsistantes les promesses qui nous le décrivent comme notre future demeure. Jésus assura à ses disciples qu'il allait leur préparer des places dans la maison du Père. Or, ceux qui acceptent les enseignements de la parole de Dieu ne sont pas laissés entièrement dans l'ignorance, touchant ses demeures. Néanmoins, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. La langue humaine est impuissante pour décrire la récompense des justes. Seuls pourront s'en rendre compte ceux qui la verront. Notre esprit borné est incapable de concevoir la gloire du paradis de Dieu. Dans les Écritures, l'héritage des élus est appelé une patrie. Le divin berger y conduit son troupeau aux sources des eaux vives. L'arbre de vie y donne son fruit chaque mois. Et les feuilles de cet arbre sont utilisées par les nations. Des ruisseaux intarissables d'une eau claire comme le cristal sont bordés d'arbres verdoyants qui jettent leur ombre sur les sentiers préparés pour les rachetés de l'Éternel. Les prairies d'un vert éclatant ne se dessécheront jamais. Dans ce pays merveilleux, s'épanouiront partout des roses, des lilas, des fleurs de toutes sortes qui ne flétriront jamais et qui ne perdront jamais ni leur beauté ni leur parfum. Le lion que nous redoutons tant ici-bas paîtra alors avec l'agneau, et tout sur la nouvelle terre respirera paix et harmonie. Les arbres des forêts, dont aucun ne sera difforme, se dresseront majestueusement vers les cieux. Plus de vent cinglant dans la patrie céleste, plus de changements pénibles de température, nous jouirons d'une atmosphère toujours salubre et parfaitement agréable. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec leRest.org.